pense que nous sommes déjà une famille. Amen. Je me sens vraiment très bien parmi vous. Amen. Et ici, c'est ma maison. Amen. Amen. Donc, je connais tout le monde. Amen. Je connais le frère Neville. Amen. Je connais la sœur Kalala. Je connais Aznat. Je connais Grace. Amen. Je connais José. Je connais tout le monde. Amen. Amen. Et je connais ma sœur là-bas. J'ai oublié le nom. Aznat est là. Et tout le monde est là. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ça, c'est David, n'est-ce pas? C'est David. David, ah, j'ai oublié. Alors, une fois de plus, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Et le frère Josué m'avait demandé de venir vous prêcher pendant qu'il sera en Afrique. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ça va bien se passer. Amen. Je n'arriverai jamais à atteindre son niveau, mais pardonnez-moi. Amen. Je sais que vous mangez très bien ici. Amen. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de compléter juste un peu, un petit quelque chose Amen. Dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de faire un grand travail ici. Amen. Et j'apprécie vraiment ça. Ça, c'est un bien-aimé que j'apprécie beaucoup. Amen. Je ne le dis pas parce que je suis ici, mais je le dis partout où je vais. Amen. Ça, c'est vraiment un bien-aimé qui est très humble. Ce sont des anciens dans le message. Mais quand vous parlez, ils vous écoutent. Amen. Et moi, je lui ai dit, moi, je préfère l'écouter. Je veux qu'il lui écoute. Amen. Amen. Et ben, je suis vraiment dans la joie d'être ici. Amen. Et j'ai appris qu'il y a une soeur qui a perdu sa maman. Amen. Et je suis vraiment désolé pour ça. Vous savez, c'est notre chemin à tous. Amen. Ça, on doit le savoir. Les frères, pendant le temps que vous vivez, vous allez passer par là. Amen. Et Job lui-même dit, dans Job 38, je pense, il dit, je sais que tu m'amènes à la mort, le chemin de tous les vivants. Donc, personne ne peut dire que moi je ne passerai pas par là. Parce que tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Amen. Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Amen. Dieu ne se contredit jamais. J'ai préparé un petit sujet là. Amen. Que nous allons partager ensemble. Nous allons lever pour le tour. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui reçoit, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Vous croyez ça? Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour ton amour. Seigneur, tout ce que nous sommes, c'est une preuve que tu es vivant. Seigneur, car personne ne pourrait se tenir ici, Seigneur, debout, sans que toi, tu sois vivant. Amen. Seigneur, quand les gens de ce monde cherchent à voir Dieu par-ci, par-là, Seigneur, mais nous te voyons partout. Amen. Nous te voyons dans la nature, Seigneur. Amen. Nous te voyons, Seigneur, même dans ce que les hommes font, Seigneur. Amen. Nous te voyons dans tout, Seigneur, Père bien-aimé. Car ton prophète William Branham a dit, si vous voulez voir Dieu, il faut avoir Dieu en vous. Amen. Et Seigneur, nous te disons merci pour cette réunion. Pendant que nous allons nous réunir ensemble en famille chrétienne, Père, laisse que tu puisses ôter l'homme du chemin, Seigneur, que toi tu puisses parler, Seigneur. Amen. Seigneur, je suis incapable de parler à ton peuple, Seigneur. Je suis incapable, Seigneur, de donner la vie, car la vie, ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Seigneur, viens nous parler. Seigneur, oins, Seigneur, le cœur de tes enfants qui vont écouter, Seigneur. Circoncis, Seigneur, les lèvres qui vont parler, Seigneur. Circoncis aussi les oreilles qui vont écouter. Amen. En tout, Seigneur, nous abandonnons entre tes saintes mains. Viens, Seigneur, prends les contrôles de cette réunion à ton précieux et parfait nom Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Amen. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ici parmi vous. Je ne pensais pas trouver la soeur Kalala ici. Je pensais qu'elle serait en Afrique, mais bon, elle est là. Que Dieu soit loué. Amen. Et j'ai choisi un petit sujet que nous allons partager ensemble. J'ai intitulé ça les principes et lois de la vie éternelle. Amen. Et il y a un sous-titre dans ça.
J'ai intitulé ça « La vie éternelle et comment la recevoir ». Je crois que le prophète a prêché quelque chose comme ça, un sermon qu'il a intitulé « La vie éternelle et comment la recevoir ». Nous savons que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons débattre dans les messages, la première chose à faire, c'est d'abord de recevoir la vie éternelle. Amen. Parce que je ne pense pas que si vous n'avez pas la vie éternelle, vous irez dans l'enlèvement. Amen. Donc il y a point d'enlèvement. Avant d'abord de commencer à débattre concernant les enlèvements, les milléniums, toutes ces choses-là, et soyez d'abord sûr que vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que l'enlèvement vient par l'envol comme les oiseaux, que ça vienne par la mort, que ça vienne par n'importe comment, si vous n'avez pas la vie éternelle, de toute façon, vous n'irez jamais. Amen. Donc, le principe, c'est la loi de la vie éternelle. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Comme nous avons lu dans les livres des gens, le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur qui a parlé, non? C'est lui-même qui a parlé. Il dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Et le frère Branham est en train de parler ici. Et avant d'aller dans cette citation, je vais d'abord dire quelque chose. Donc la vie éternelle, c'est une vie qui est en Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc la seule façon d'avoir la vie éternelle, il faut être en contact avec Dieu. Comme dit le frère Branham, si un oiseau n'a pas eu de contact avec l'oiseau mâle, cet oiseau-là peut produire des œufs, mais ces œufs-là n'écloront jamais. Amen. Il n'y aura jamais de poussins ou de petits oiseaux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les germes de vie qui est entré dedans. Il dit tout ce qu'il faut faire, c'est de nettoyer les nids et Amen. Recommencer à zéro. Amen. Donc, on peut venir à l'église, on peut être le membre de l'église, mais si on n'a pas un contact personnel avec Dieu, on est en train de perdre le temps. Amen. Amen. Donc, ce que moi je veux dire ici, ce que je vais parler ici, je parle de la vie éternelle. Une vie qui n'est qu'en Dieu lui-même. Amen. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'en dehors de la vie qui est en Dieu, il n'y a point d'autre vie. Amen. Tout ce que vous pouvez appeler vie, ce n'est que la mort. Amen. Parce que le diable est là, le diable travaille, tout. Il vit, n'est-ce pas? Mais Dieu dit qu'il ne vit pas. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est la mort. Donc la vraie vie, c'est la vie de Dieu. Alors c'est pourquoi nous venons aujourd'hui vers cette source intéressante qui est la parole pour recevoir cette vie. Amen. Je crois que ça doit être la prière de tout enfant de Dieu, de demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette vie éternelle. Jésus-Christ dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Et le frère Branham dit, dans question-réponse de 1959, au paragraphe 57, il dit ceci, il dit, enregistrez-moi cela qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et nous cherchons cela. Et Dieu seul a la vie éternelle. Ça, c'est ce que le frère Branham dit. Et dans la prédication, l'adoption, le frère Branham dit ceci au paragraphe 70, donc 70, il dit, vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. C'est ici que vous commencez l'éternité. Oh, votre vie éternelle, elle commence ici même. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le 28 février. Vous vous rappelez, Amen. Non? Amen. C'est le jour que la vie l'homme est... Amen. Et de nouveau en contact avec Dieu. Vous Amen. Savez que depuis le jardin d'Éden, l'homme n'a jamais été en contact avec Dieu. Amen. Donc toute la prière qui se faisait durant les âges de l'église, c'était des présomptions. Il présumait. Amen. Alors, présumer, c'est s'aventurer sans autorité. Amen. C'est pourquoi tous ces gens-là, ils avaient pas la vie éternelle. Ils avaient les gages de la vie éternelle. Mmh. Alors, c'est Paul qui a dit ça. Il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Amen. On ne peut pas prendre ce qui est partiel et ce qui est parfait et les mettre ensemble. Ça va Amen. Créer les désordres. Amen. Ça va créer la cacophonie. Amen. Amen. Donc tout ce qui est partiel disparaîtra. C'est-à-dire, toute connaissance que vous avez eue avant, ça doit disparaître. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le 28 février. Amen. J'ai préparé un message concernant la nuée. Donc, mais je vais prêcher ça le dimanche. Amen. Je voulais prêcher ça aujourd'hui, mais bon, la semaine, il n'y a pas beaucoup de gens. J'aimerais que ce soit le dimanche que tout le monde puisse écouter. Amen. Amen. Donc gardez ça en esprit. Nous sommes dans un jubilé. Amen. On appelle ça jubilé, mais le jubilé a déjà eu lieu. Amen. Amen. Parce qu'après les sept âges de l'église, c'était la sortie, n'est-ce pas? Quand nous sommes sortis, c'était pour aller dans un jubilé. Amen. Comme c'était avec les enfants d'Israël. Amen.
Nous allons parler de ça dimanche. Gardez ça en esprit. Je vais continuer la lecture avec le frère Branham. Il dit, vous commencez votre vie éternelle ici même, à l'autel. Les catholiques nous ont dit, vous recevez la vie éternelle quand vous mourrez. C'est ce qui n'est pas vrai. Amen. La vie éternelle, vous la recevez ici. Amen. C'est maintenant que vous vivez la vie éternelle. Il dit, oh, votre vie éternelle, elle commence ici même. Alors, vous naissez de nouveau un fils de Dieu. Ensuite, quand vous mourrez, vous commencez. Quand la mort vous frappe dans ce corps-ci, que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre une seconde, plus tard elle devient un ombre de l'ombre, ensuite elle devient l'ombre, ensuite elle devient un petit filet, ensuite elle devient un petit ruisseau, ensuite elle devient une rivière, ensuite elle devient l'océan, et au bout d'un moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés. Vous êtes là, vous êtes là-bas, revêtus de vêtements d'un corps céleste dans lequel vous vous reconnaissez les uns les autres. Vous aimez les uns les autres, vous êtes redevenu un jeune homme, une jeune femme. Amen. Amen. C'est ça, la vie éternelle. La vie éternelle, vous la recevez ici. Maintenant, la forme de la vie éternelle, la seule forme que nous avons de la vie éternelle, c'est en Dieu. Alors, Dieu, c'est un Dieu invisible. Il a été manifesté en Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. C'est Jésus-Christ qui l'a déclaré. Il dit, personne ne peut voir le Père, sauf le Fils unique qu'il a déclaré. Amen. Alors, si vous voulez connaître la vie éternelle, vous devriez d'abord étudier ce qui était la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le symbole de la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais avoir la vie éternelle et vivre une autre vie qui est autre que celle de Jésus-Christ. Mmh. Amen. C'est pourquoi nous allons examiner la vie de ces maîtres, Jésus-Christ, parce qu'on l'a appelé maître, vous savez, non? Amen. Les gens de la science occulte, ils nous mentent. Ils disent qu'ils ont la lumière, non, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Amen. C'est lui qui est notre grand maître. Amen. Amen. Il nous transmet sa lumière. Amen. Amen. Alléluia. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 24, ça c'est la version Shekinah. Le frère Branham dit ceci. Et j'ai dit, eh bien, l'unique stéréoscope que j'ai pour l'âme, c'est la Bible. Voyez-vous? Et j'ai dit, je vais te faire passer un test. J'ai dit, Saint Jean 5, 24, dit, c'est lui qui entend mes paroles. J'ai dit, cela ne veut pas dire s'asseoir tout simplement et écouter cela. Amen. Amen. Il dit, cela veut dire la recevoir. Voyez-vous? La recevoir, vous croyez cela. Quelque chose au-dedans de vous vous dit que c'est juste. Vous l'acceptez, vous la croyez. Elle est votre. Celui qui entend, elle vous appartient. Celui qui entend, entre parenthèses, elle vous appartient déjà. Mes paroles et crois en celui qui m'a envoyé. Amen. Crois en celui qui m'a envoyé. Le frère Branham est en train de décortiquer Jean 5, 24. Amen. Ça, c'est l'écriture que j'ai pris comme base. Amen. Il dit, c'est lui qui écoute ma voix, n'est-ce pas? C'est lui qui écoute ma parole. Cela ne veut pas dire qu'il faut simplement venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Écouter le pasteur, prêcher la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est mettre ça en pratique. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. La loi de la nature nous montre que tel que nous sommes là, c'est le résultat de la nourriture que nous mangeons. Frère Branham dit, si vous ne mangez pas, vous mourrez. Amen. Si nous sommes ici parce que nous avons mangé, il y a de ceux-là qui ont mangé les haricots, il y a de ceux-là qui ont mangé les pondous, il y a de ceux-là qui ont mangé tout ce qu'ils ont mangé. Amen. Mais en réalité, vous mangez pour quoi? Vous mangez pour construire les cellules de votre corps. C'est ça qui vous donne la bonne santé, n'est-ce pas? Et chaque fois que vous mangez, vous devenez ce que vous mangez. Amen. Mais ce qui est là, si vous êtes, on vous appelle, disons, on vous appelle le frère Franck, et que vous avez mangé le pondou va se transformer en Franck. Mais si vous mangez les haricots, ça va se transformer en Franck. Donc, tout ce que vous mangez, ça se transforme en Franck. Donc, si vous mangez aujourd'hui aussi la parole de Dieu, ça se transforme toujours en vous. Amen. Donc, vous ne pouvez jamais rester comme ça, lire la parole de Dieu. Le frère Branham dit dans une prédication qu'il a intitulée votre vie est digne de l'évangile. Il dit ceci, il dit, vous pouvez bien regarder un verre d'eau et apprécier ça. Dire vraiment, ça c'est un verre d'eau. Ça c'est un verre d'eau. Et il dit, si vous ne buvez pas l'eau, vous ne saurez jamais le goût de cette eau. Amen. C'est ce que les gens font dans ce message.
Ils viennent dans les messages, ils viennent apprécier les messages, ils disent, oh, c'est que le frère Branham a prêché, c'est vraiment la vérité. Même le diable croit à ça. Amen. 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 Le diable aussi croit à ça. Mais ce qui est de recevoir la vie, c'est ce qui est plus important. Amen. C'est la partie la plus importante, de recevoir la vie qui est dans les messages. Parce que les messages, ce n'est pas les brochures et les iPads et tout ça. Les messages, c'est la vie, les logos. Le concept de Dieu qui est derrière les messages, c'est ce que nous avons besoin, mes amis. Amen. Et quand ces messages-là pénètrent en vous, et que vous recevez l'esprit qui est derrière ces messages, c'est ça la vie éternelle. Amen. Et nous voyons qu'un homme qui va à l'école, qui va aller étudier la médecine, au commencement on va l'appeler un étudiant de la médecine, n'est-ce pas? Amen. Mais après ses études, il va devenir médecin. Il va devenir médecin. Amen. Pourquoi? Il a mangé la chose qui était dans le livre. Donc, ce qui était dans le livre, hein, ce n'est pas le livre qu'il a mangé physiquement, mais il a mangé le logos. Amen. Le concept qui était derrière le livre, c'est ce qui a fait de lui un médecin. Amen. Donc, vous ne pouvez jamais devenir un chrétien si vous ne devenez pas comme Christ. Parce que le mot chrétien veut dire être comme Christ. Amen. Donc, si vous n'êtes pas comme Christ et que vous vous appelez chrétien, c'est un homme blasphématoire. Amen. 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 Comme les églises pentecôtistes, il n'y a pas de pentecôte là-bas. Le réveil est terminé. Amen. Comme c'était dans les temples de Vesta, vous savez, non? Amen. Quand le feu s'éteignait, tout le monde repartait chez eux. Mm. Et dans le pentecôtisme, dans l'âge de la Odyssée, il n'y a plus de feu. Le message de frère Branham, c'était de nous faire sortir de l'âge de la Odyssée. Amen. Il est né hors saison. Il est né après le réveil d'Azusa. Mm. Il est né en 1909, le réveil d'Azusa, c'était en 1906. Mm. Et quand il est venu, il nous a dit de sortir de là. Amen. 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 Le frère Branham ne peut pas être là pour nous faire asseoir dans la Odyssée. Il est venu nous faire sortir de l'Odyssée. Donc si vous êtes dans l'Odyssée, vous n'êtes même pas un croyant du message. Amen. Parce que le message de frère Branham, c'est le sept sceaux. Amen. 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 Christ est le mystère de Dieu révélé. Allez dire à mes disciples, paragraphe 242. Le frère Branham dit ceci. Vous savez, lorsque Franklin avait obtenu l'éclairage, il ne savait pas ce qu'il avait obtenu. Il a dit, je l'ai. Il savait qu'il avait eu une résurrection. Et frère Branham frappe 6 fois sur la chair. Ça aussi, c'est la parole. Amen. Amen. Il avait bel et bien obtenu quelque chose. Il ne savait pas ce que c'était. Mm-hmm. Benjamin Franklin, c'est celui qui avait découvert qu'il y avait une puissance invisible. Mm-hmm. Amen. Si je vous dis de me montrer l'électricité, vous ne me le montrerez jamais. Amen. Vous allez me montrer la lampe. Ça, ce n'est pas l'électricité, ça, c'est la lampe. Amen. Amen. L'électricité, c'est une puissance invisible. Amen. Qui fait bouger les électrons et qui vous produit une puissance. Et ça vous donne la lumière, ça vous donne Amen. Le froid, ça vous donne tout ce que ça peut donner. Amen. Mais Benjamin Franklin a découvert quelque chose. Pourquoi? Le frère Branham dit, il a essayé plus de 10 000 fils en train de chercher. Il y a une notion de la persévérance. Mm-hmm. Il a persévéré. S'il n'avait pas persévéré, aujourd'hui, on serait dans les ténèbres. Amen. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qu'on a ici, c'est en base d'électricité. Si on n'a pas d'électricité, on n'aura pas des ordinateurs, non pas des projecteurs, rien du tout, rien, non pas des micros même. Donc, grâce à Benjamin Franklin, qui avait trouvé quelque chose d'invisible, et aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons, n'est-ce pas? Amen. Le frère Branham dit ceci, allez dire à mes disciples, il dit, vous savez, lorsque Franklin avait obtenu l'éclairage, il ne savait pas ce qu'il avait obtenu. Il dit, je l'ai. Eureka, n'est-ce pas? Et plus tard, Melchizedek le grand prince, paragraphe 59, il dit, quand Benjamin Franklin a pour la première fois découvert l'électricité, il a dit, je l'ai. Mais il ne savait pas ce qu'il avait. Il dit, ensuite, Thomas Edison vint et dit, ça sera utilisé à notre profit. Et peu lui importait combien de temps cela prenait, il essayait 10 000 fils. Pardon, c'est Thomas Edison qui avait essayé 10 000 fils. C'est pas Benjamin Franklin, pardonnez-moi. Il dit, mais cependant, il a trouvé un fil qui pouvait finalement faire passer l'électronique, ou plutôt l'électricité. Amen. Donc, il a essayé 10 000 fils, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il devait se conformer aux lois et aux principes de l'électricité. Amen. Donc, il n'y a rien... Vous ne pouvez rien faire si vous ne respectez pas les lois. Amen. Donc Dieu a placé une loi, il a placé sa parole. Dieu n'a aucune façon, aucun moyen de vous donner la vie éternelle si ce n'est pas par sa parole. Amen. Donc vous êtes obligé, cela est important pour vous et pour moi d'être en contact avec Dieu.
n'y a aucune façon de recevoir la vie éternelle si vous n'êtes pas en contact avec Dieu. Amen. Donc c'est une loi que Dieu a déjà placée. Vous ne pouvez pas préparer le foufou avec de l'eau froide. Mm-mm. Qui que vous soyez, amen. Amen. Vous pouvez mettre de l'eau là, vous mettez, vous dites moi je ne vais pas respecter la loi là. Amen. Moi je vais préparer mon foufou sans mettre de l'eau au feu. Amen. Vous pouvez bien prier. Vous pouvez bien tout faire. Vous allez manger quelque chose d'autre que le foufou. Amen. Parce que le foufou, c'est mettre l'eau dans l'eau au feu, ça bouillit, vous mettez la semoule, ainsi de suite. Amen. C'est ça le foufou. Amen. Toute chose a le principe de loi. Amen. Comme nous sommes ici, nous sommes assis dans le feu. Vous savez, non? Amen. Tout ce qui fait que qu'on ne puisse pas brûler, c'est parce que nous ne mettons pas tout ensemble pour produire le feu. Nous ne respectons pas cette loi-là. Nous avons les combustibles, nous avons les flammables, nous avons tout ce que nous avons ici. Et si vous respectez la loi du feu, vous les mettez ensemble, nous allons brûler. Amen. Amen. C'est ça la vie éternelle. Si vous ne vous alignez pas à la parole de Dieu, vous ne recevez pas la vie éternelle. Amen. Si vous ne produisez pas la vie de Jésus-Christ, je vous dis, mes bien-aimés, nous sommes en train de passer les temps. Amen. À travers ce film, il dit, il savait qu'il y avait une puissance. Et que cette puissance pouvait être utilisée à notre profit. Ça, c'est Thomas Edison. Mon ange marchera devant toi. Paragraphe 14. Un peu plus tard, Thomas Edison, l'homme qui nous a donné la lampe électrique, croyait que cette électronique ou électrolyse pouvait être conduite par un fil. Je pense qu'il a essayé 10 000 fils. Il a essayé tel et tel type de métal. Cela n'a pas marché. Il se mettait là la nuit avec une tasse de café et un sandwich, inlassablement au possible, mais toutefois quelque chose dans son cœur lui disait qu'il pouvait faire que cette électricité échauffe un fil pouvant s'enflammer. Ainsi donc, il ne s'est pas découragé après l'essai du premier petit fil. Il a simplement mis celui-ci de côté et essayé un autre. Amen. C'est ce que vous devez faire. Là, il y a une notion de persévérance. La vie éternelle, il faut persévérer. Je ne dis pas qu'aujourd'hui vous commencez, vous cherchez la vie éternelle et vous la recevez aujourd'hui même. Malgré que la vie éternelle, nous la recevons avant même de venir. Amen. Parce que c'est quelque chose de prédestination. Amen. Le frère Bonhomme était déjà prophète. Amen. Mais avant de rencontrer l'ange, il ne savait pas qu'il était prophète. Amen. Il pensait qu'il était comme tout le monde, mais il était déjà prophète. La vie éternelle, vous en avez déjà. Mais pour vous rendre compte de cette vie éternelle, vous devez rencontrer Dieu. Amen. Vous devez rencontrer Dieu au travers de sa parole. Parce que Dieu est la parole. Amen. Mm-hmm. Se souvenir du Seigneur. Paragraphe 9, il dit, si un homme accomplit le dessein de Dieu, il y a une résurrection tout aussi sûre que 2 fois 2 font 4. Tout ce que vous devez faire, c'est que Dieu attend seulement le temps juste comme il le fait. Dieu avait trois desseins, n'est-ce pas? Le premier dessein de Dieu, c'était quoi? Se révéler à son peuple. Amen. Dieu ne peut rien faire s'il ne se révèle pas à vous. Amen. La première des choses, Dieu devait se révéler à son peuple. Et la deuxième des choses, il devait prendre la prééminence. Prendre la prééminence, c'est que vous devenez prisonnier de Christ. Amen. Vous ne faites rien par vous-même comme c'était le cas avec Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ n'avait pas sa propre vie. Jésus-Christ ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour Dieu. Et ainsi, les enfants de Dieu, si vous voulez hériter de la même vie éternelle, vous devriez vivre la vie que Jésus-Christ a vécue. Amen. La plus grande ou la révélation maîtresse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Au travers de la parole, car l'enfant vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est par la révélation qu'Abel offrit un sacrifice agréable à Dieu. Mais la Bible le dit dans Hébreux 11. Et la Bible dit aussi dans le livre de Romains, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais là, dites-moi, Abel, où est-ce que Abel a écouté la parole de Dieu pour recevoir la révélation? Mmh. La révélation, c'est la foi. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Amen. Abel avait ça dans le cœur. Mais là, remarquez que Caïn, vous ne pensez pas que Caïn était un homme mauvais. Non. Caïn est devenu mauvais lorsque son sacrifice a été refusé. Amen. Parce qu'il a essayé d'offrir un sacrifice selon sa propre pensée. Vous comprenez? Et Abel, qui avait la révélation de Dieu, lui connaissait que notre religion, c'est la religion du sang. Amen. Il savait qu'un agneau devait être immolé. Il savait que c'était un mélange de races. Amen. C'est pourquoi la race humaine a été soumise à la mort. Amen.
l'homme qui est né de la femme. Amen. Alors, le frère Bonhomme dit, si un homme accomplit le dessein de Dieu, il y a une résurrection tout aussi sûre que 2 × 2 font 4. Donc, on ne peut pas ressusciter si on n'a pas la vie éternelle. Amen. La résurrection, ce n'est que pour les enfants de Dieu. Ce n'est que pour ceux-là qui ont reçu la vie de Jésus-Christ, qui ont été fécondés par les germes mâles de la parole. Amen. C'est ceux-là qui reçoivent la vie éternelle. Tout ce que vous devez faire, c'est que Dieu attend seulement le temps juste comme il le fait maintenant. Voilà. Ça, ce sont les desseins de Dieu. Dieu avait 3 desseins pour le plan de la rédemption. Pour ramener l'homme dans sa position première. Amen. Parce que le plan de la rédemption, c'était simplement de ramener Adam dans sa position. Jésus-Christ lui-même a dit, heureux les débonneurs car ils hériteront la terre. Amen. C'est là que les témoins de Jéhovah font fuir les pentecôtistes. Les pentecôtistes, eux pensent qu'ils vont aller au ciel pour aller rester là-bas. Amen. Mais les témoins de Jéhovah, eux savent que la vie éternelle, c'est sur la terre et que nous allons la passer. Amen. Vous le savez, non? Parce que l'enlèvement, c'est 3 ans et demi. Après, les 3 ans et demi, on doit retourner. Amen. Amen. On doit retourner ici sur la terre pour vivre. C'est pourquoi la seule planète que Dieu a donnée à l'homme, c'est la terre. Amen. Donc la vie éternelle, c'est ici. Hein? Amen. Ce n'est pas au ciel. Amen. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu Jéhovah pour se révéler. Ça, c'est le premier dessein de Dieu. Il dit, le temps et l'éternité, il ne le pouvait pas. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé, après avoir franchi le cycle de centaines de milliards, de trillions et de trillions d'années, lumière, et après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, et il est cette grande créature qui était tout cela et qui est toujours. Je continue. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité. Il aimait la paternité car il était un père. L'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire le fils de l'homme. Mmh. Vous comprenez pourquoi il était le fils Amen. De l'homme? Parce que le fils de l'homme, c'est le prophète et la colonne de feu. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous avons vu encore le retour de la colonne de feu sur la terre, et il y avait aussi un prophète sur la terre. Amen. Voici le fils de l'homme qui est venu. Amen. Parce qu'il est venu au temps de la fête pour se révéler à son peuple. Mm-hmm. Vous comprenez maintenant que durant les âges de l'église, Jésus-Christ ne s'était jamais révélé à son peuple. Amen. C'est au travers de la colonne de feu et les prophètes qu'il est de nouveau le fils de l'homme pour Amen. Se révéler à son peuple. Amen. Voilà. Et vous voyez, plusieurs d'entre eux ne savaient pas de quoi ils parlaient. Mais maintenant, les saisissez-vous. Mm-hmm. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de prêcher les âges de l'Église, il a commencé par la révélation de Jésus-Christ. Pour que les gens comprennent qui est Jésus-Christ. Mm-hmm. Jean, qui était un disciple de Jésus-Christ, qui dormait même sur la poitrine de Christ. Oh, il est monté dans l'île de Patmos, arrivé là-bas, il voulait adorer l'ange. Oh, Jésus. Vous connaissez Amen. L'ange en question? C'était le 7e ange. Amen. Il voulait adorer l'ange. Mes amis, dites-moi, quelques jours après, quelques années après, lui qui était l'ami de Jésus-Christ, il va oublier Jésus-Christ pour adorer quelqu'un d'autre. Donc c'est que le Jésus qu'il avait vu, c'était notre Jésus. Amen. Il voit maintenant Jésus-Christ, sa voix était comme les grandes eaux. Il voit ses pieds comme des colonnes de feu. Il voit ses pieds comme de l'airain. Il voit ses cheveux blancs. Mais le Jésus qui était sur la terre, il n'avait pas de cheveux blancs. Frère Bonhomme dit, quand il vient comme ça, il vient comme le juge suprême. Amen. C'est ce que j'ai vu. La Bible dit, il est parti au jour du Seigneur. Il a été ravi au jour du Seigneur. Amen. Le jour du Seigneur, ce n'était pas dans une planète, c'était dans ces jours que nous vivons. Amen. Amen. Il a vu Apocalypse 10. Il a vu la montagne des 107. C'est ce que j'ai vu. Il a vu le jugement. C'était carrément notre Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était le Père de Jésus. Parce que Frère Bonhomme dit, Jésus et Dieu ne sont pas un comme les doigts de ma main. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des trinités, nous ne sommes pas des unités. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le message, nous avons prêché l'unitarisme. Amen. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Ah, bon, il y a son chose à l'inza. C'est ce que j'ai cherché. Amen. Dire ça, c'est bien. Dire aussi que Jésus-Christ est seulement Dieu, il n'est pas homme, ça, c'est mauvais. Dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est simplement homme, ça, c'est mauvais aussi.
Prenez-les tout, mettez ensemble. Amen. Il était 100%, 200% homme. Amen. Mais vous, comme vous êtes des croyants, vous savez quelle partie de Jésus-Christ, laquelle des parties de Jésus-Christ vous adorez. Amen. Si vous adorez la partie homme, vous tombez dans l'idolâtrie. Vous êtes comme les gens que nous appelons les branamistes. Amen. 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 Nous ne sommes pas des branamistes, nous sommes des chrétiens. Amen. Parce que nous adorons le Seigneur Jésus-Christ et la colonne de feu. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça produit? Ça produit les branamistes et les jésuistes. Amen. Et oui, oui, ça produit les jésuistes. Parce qu'on ne peut pas adorer un homme qui est mort. Mm-hmm. Jésus a dit, croyez à moi et croyez en celui qui m'a envoyé. Et croyez aussi en moi. Mm-hmm. Celui qui a envoyé était où? Il était en lui. Mm-hmm. Parce que le verbe envoyé, Dieu conjugue le verbe envoyé quand il est en toi. Amen. Quand je dis qu'aujourd'hui je suis ici, c'est Dieu qui m'a envoyé de vous parler. Ça dit que Dieu est avec moi. Amen. Dieu n'envoie pas comme mon papa, il m'envoie Amen. Là-bas et lui il reste. Amen. Non. Le verbe envoyé, conjugué par Dieu, c'est être la personne même. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Amen. Cela ne veut pas dire que c'est chevet qui est le Père. Parce que le Père n'a eu ni commencement ni fin. Amen. Amen. Mais celui qui avait un commencement et une fin, c'est Jésus de la chair. Amen. Amen. C'est la notion de la divinité, c'est pourquoi les gens sont tombés dans l'unitarisme. Les âges de l'Église ont commencé avec la révélation de Jésus-Christ. Amen. Les gens prétendaient connaître Jésus-Christ, mais le frère Branham a repris encore la révélation de Jésus-Christ. Mmh. Et là, quand vous comprenez qui est Jésus-Christ, c'est là que vous allez le voir dans les chandeliers, Amen. Ainsi de suite. Amen. Je continue. Le triple dessein de Dieu, donc le grand dessein, c'était de s'exprimer et de s'identifier aux êtres humains, de se révéler en Christ. Deuxièmement, avoir la prééminence dans son corps de croyant. Ça, c'est la partie la plus importante. Beaucoup de gens viennent à Christ aujourd'hui, ils ne veulent pas donner tout ce qu'ils ont. Amen. Ils veulent un Jésus Seigneur. Et non, plutôt un Jésus Sauveur. Quand ils sont malades, oh Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Nous, on a des amis qui boudent notre religion. Mais quand ils sont malades, ils nous appellent. Ah, prie pour moi. En tout cas, je n'ai pas bien dormi. Quand ils font des cauchemars la nuit, ils nous appellent. Ah, prie pour moi, je n'étais pas bien dormi la nuit, j'ai fait le cauchemar, je ne sais pas, j'ai vu un corbillard, c'est comme si j'allais mourir. Amen. Mais quand vous avez la parole de Dieu, ah, je vois aussi les femmes toujours en jupe. Pas de pantalons, pas de maquillage. Ils ne veulent pas abandonner leur vie à Christ. Oh, c'est ça la prééminence. Amen. Ça, c'est le deuxième dessein de Dieu. Frère, madame, vous ne pouvez jamais vivre si vous ne vivez pas pour Dieu. Amen. La seule façon pour vous d'avoir la vie éternelle, de recevoir la vie éternelle, c'est de s'aligner avec Dieu. Amen. Le dessein de Dieu, c'est de vivre selon le dessein de Dieu. Sans ça, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Le frère Branham continue, dit, je vois simplement les dénominations disparaître de la scène et toute autre chose passer. Vous voyez, les dénominations, eux, ils n'aiment pas donner leur vie à Christ. Ils aiment un Jésus sauveur. Ils vont chanter des cantiques n'importe comment. Ils vont prendre la musique du monde, ils vont introduire dans l'église, ils vont faire toutes ces choses-là, mais ils s'appellent des chrétiens. Non blasphématoire. Un chrétien, c'est celui qui s'abandonne totalement. Parce qu'il voulait avoir la prééminence. Si il n'a pas la prééminence en vous, vous êtes en train de passer les temps. Amen. Donc, ce n'est pas le pasteur qui doit crier. Oh, mais venez à l'église, mais faites ici. Hey, aujourd'hui, nous sommes devenus les chrétiens du dimanche. Amen. Hein, comme disait mon frère Christian, les chrétiens du dimanche sont les catholiques. Parce qu'à l'église catholique, c'est simplement le dimanche. Dans les messages, c'est deux jours, trois jours, la prière. Et la journée de jeudi, c'est comme le dimanche. Il n'y a pas de différence. Je te dis, moi, le jeudi, je vais rester à la maison. Bon, je vais seulement partir le dimanche. Donc cela veut dire que Dieu n'a jamais eu prééminence en toi. Amen. Mais celui qui est sous possession de Dieu, il est prisonnier. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas prisonnier de Dieu, vous êtes soit prisonnier de Satan. Amen. Donc il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas, en anglais on dit in between. Il n'y a pas entre. Amen. Non. N'est-ce pas? Il n'y a pas entre. Donc je suis ni de Dieu ni de Satan. Oh. Amen. Comme les païens disent que moi je ne crois à rien. Je ne crois ni en Dieu ni en Satan. Non, tu es sataniste. Amen. 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 Tu es le Satan. Amen. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous êtes un enfant de Dieu, soit vous êtes un enfant de diable. Amen. Amen. Venez à l'église, venez écouter la parole de Dieu. Et le pasteur peut vous crier, mais venez à l'église. Il fait son devoir. Mm-hmm. Mais le perdant, c'est vous. Amen. Si vous ne venez pas à l'église, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne priez pas, vous êtes des perdants. Amen. Vous êtes en train de passer le temps. Amen. Alors moi, je vous conseille, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, moi, je vous conseillerais d'aller même dans le monde, d'aller boire. Amen. Parce que vous allez perdre de l'église. Amen. Et si vous ne buvez pas,
Vous ne mettez pas des pantalons ni des maquillages, mais vous ne voulez pas rester dans la parole de Dieu. Mais après, vous irez en enfer. Oh, mais vous perdez le temps. Allez au moins faire les histoires du monde, comme ça vous allez en enfer à la fin. Comme ça vous gagnez. Amen. Mais si vous voulez vraiment rester un enfant de Dieu, alignez-vous avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Soyez chrétien ou soit vous ne le soyez pas. Amen. Parce que l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge tiède. Amen. Le Seigneur a dit, je vous vomirai. Amen. Le frère Branham continue, il dit, premièrement, s'est révélé lui-même en Christ la plénitude de la divinité corporellement, et ensuite, amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple, Amen. Afin qu'il puisse avoir la prééminence, la surveillance, la conduite. Amen. Il veut avoir la surveillance et la conduite. Si Dieu ne vous contrôle pas, il ne prend même pas plaisir en vous. Non. Il a envie de vous contrôler, de vous conduire. Il a envie de prendre de votre possession. Parce que quand il avait la possession d'Adam, c'est comme ça qu'il dirigeait, qu'il contrôlait la planète. Amen. C'est comme ça qu'il contrôlait la planète. Avec les Israélites, il était le roi au travers de Samuel. Amen. C'est Dieu qui était le roi d'Israël. Quand ils ont cherché un roi comme les autres, alors Dieu dira, le prophète dira, mais Dieu, il est votre roi. Pourquoi vous voulez un autre roi? Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose qui n'est jamais arrivé? Ils ont dit, non, tout ce que tu nous dis, ça arrive, mais nous voulons un roi. Alors, le prophète est parti voir Dieu, il dit, Seigneur, ils ont voulu un roi. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont voulu. Aujourd'hui, si le monde connaissait ce qui était William Branham, William Branham serait le président du monde. Amen. Amen. William Branham serait le président du monde. Parce que Dieu n'a pas créé ce monde pour que nous soyons dirigés par ces voyous. Les fumeurs de chambre. Amen. Ces gens, les homosexuels, c'est eux qui nous dirigent. C'est eux là qui conduisent nos pays. Amen. Mais ça, ce n'était pas le plan de Dieu. C'est pourquoi la seule façon pour Dieu de nettoyer ce monde, il faut que le feu descende. Alors Dieu ne peut pas amener quelque chose qui est sale au ciel. Amen. C'est pourquoi le corps ne peut pas aller dans l'enlèvement. Amen. C'est sale. Vous êtes avec moi? Amen. Non. Dieu traite avec l'âme. Amen. Amen. Donc, il dit la plénitude de la divinité. Il voulait prendre cette plénitude et mettre ça dans l'homme. Donc, dans Éphésiens 1, 21-22, on nous dit qu'il a donné l'autorité à son église. Amen. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est-à-dire, Dieu, dans sa plénitude, il descend dans l'église. Et Dieu ne travaille pas avec des groupes. Amen. Amen. Dieu prend simplement un homme. Amen. C'est pourquoi nous disons, nous croyons Luc 17:30. Amen. Et là, c'est la plénitude de Dieu dans un homme. C'est Dieu qui s'est rempli dans un homme. Pourquoi? Pas pour faire de Branham un Dieu pour que nous puissions l'adorer. Mais il voulait continuer le travail avec son peuple. Amen. Mais comme il ne travaille pas avec des groupes, parce que chacun aura son opinion. Amen. C'est pourquoi même Apocalypse, on se peut bien voir ça. Amen. Dieu ne peut. Le frère Branham dit dans le messager du soir de 1963, il dit Dieu n'envoie jamais deux témoins majeurs à la fois. Amen. Et chacun aura son opinion. Yeah. Prenez Moïse et Élie, mettez-les ensemble, ils vont se battre. Vraiment. Ce n'est pas facile. Hein? Amen. Plus Christ qui sera là pour se présenter. Amen. Je disais que le frère Branham, lui, il était notre gerbe agitée. Si Dieu a rempli la plénitude dans cet homme, ce n'était pas parce qu'on devait l'adorer. Parce qu'il voulait finir le travail. Amen. Il voulait rétablir Adam dans sa position. Amen. C'est pourquoi il a pris la divinité. Frère Branham dit ici, c'est lui qui parle. Il dit, dans un peuple, enfin, qu'il puisse avoir la prééminence. Donc, au travers de lui, comme ce monsieur-là qui étudie la médecine, qui est devenu un médecin, nous aussi, nous prenons le livre qui est le message. Amen. Nous étudions enfin de devenir des chrétiens. Parce qu'on ne peut pas être chrétien en dehors de ces messages. Amen. 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 Les gens, les autres sont dans le christianisme, mais nous sommes dans la chrétienté. Amen. Amen. Frère Branham dit, tous les ismes vont tomber. Amen. Même le christianisme. Amen. Même le branhamisme. Amen. Amen. L'islam va tomber. Amen. Tout va tomber. Amen. Mais nous sommes des chrétiens, nous sommes dans la chrétienté. Amen. Amen. Donc Dieu voulait prendre prééminence dans son peuple. Nous continuons. Vous êtes là. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale. Les royaumes, pardon. Troisièmement, restaurer dans sa position normale. Les royaumes qui étaient tombés par le péché du premier Adam. Vous comprenez? Retournant là où il s'est promené dans la fraîcheur du soir,
en compagnie de son peuple, là où il leur parlait et communiait avec eux. Vous voyez? C'est au temps de la fin que nous rencontrons Melchisedec. Amen. Amen. C'est après la bataille qu'Abraham avait rencontré Melchisedec, qui lui donna la communion qui était lui-même. Amen. 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 Ça, nous en parlerons le dimanche. Troisièmement, rétablit l'homme, le royaume dans sa position normale, d'où il tomba à cause du péché du premier Adam. Le rétablir dans l'état où il était au début, lorsqu'il se promenait dans la fraîcheur de l'histoire avec son peuple. Parlant avec eux, ayant communion avec eux, mais pour le moment, le péché et la mort l'ont éloigné de sa présence, ne lui permettant plus de s'exprimer au travers de son peuple, avant la fondation du monde, afin d'exprimer tous ses attributs, tout ce qu'il était. Amen. Donc, pour recevoir la vie éternelle, on nous dit, il faut remplir les conditions. Amen. C'est-à-dire, vous vivez pour le dessein de Dieu. Vous remplissez les conditions que Dieu a posées afin que vous puissiez vivre éternellement. Amen. Et il n'y a aucun moyen de contourner ça. Le frère Madame dit dans ce jour-là au calvaire, il dit, il n'était qu'un homme, l'homme parfait, il parle de Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Et il était un exemple pour vous. Amen. Vous dites amen à ça. Amen. Maintenant, que devons-nous faire? Maintenant, voici la première chose que je veux dire. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Vous voyez la vie éternelle? Amen. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. Le bien-être universel, le frère Sylvain chante ça. Amen. N'est-ce pas? Si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Amen. C'est comme ça, vous voyez, il y a des héros. Un grand héros, vous dites, oh, ce monsieur-là, vraiment, c'est un héros. Il a vécu pour les autres. Mais vous ne savez pas, il a vécu afin que les gens puissent parler de lui. Un égoïste. Le mot égoïste a été mal défini. Un égoïste, je me dis, un égoïste est akabagaté. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de papas au Congo. Par exemple, les gens qui vont entrer dans les boîtes de nuit ou dans les bars, ils vont faire sortir l'argent, ils vont acheter la bière pour tout le monde. C'est ça vivre pour les autres? Non. Il fait ça pour quoi? Pour qu'on parle de lui. Amen. Amen. Pour qu'on parle de lui. Oh, mais c'était lui, il a beaucoup d'argent. Il vient, il y a des gens. Amen. Il vous donne de l'argent, surtout dans nos familles africaines. Il est là, il ne donne pas le boulot aux gens. Il ne montre pas aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Il vient là pour vous donner de l'argent. Quand vous avez vos problèmes, vous venez chez lui, lui vous donne de l'argent. Ah, ça va bien. Non, il n'est pas bon. Mais il veut simplement que les gens puissent parler de lui. Ça, ce n'est pas vivre pour les autres. Mais vivre pour les autres, c'est faire quelque chose sans intérêt. Amen. Sans tirer les intérêts, sans tirer une gloire quelconque. Amen. Vous donnez toute la gloire à Dieu. C'est ça vivre pour Dieu. Il dit, si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Le frère Branham continue, dit, cela a été prouvé quand il était venu comme l'agneau de Dieu. Il vivait et avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour. Et vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Amen. Le sacrificateur, quand il entrait dans les temples, il sortait avec les sangs, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est entré dans un tabernacle qui n'était pas fait avec les mains des hommes. Et cet tabernacle-là, vous savez, c'est quoi? C'est sa propre chair. Amen. Donc, il était entré au niveau de l'âme. Mais là, dans l'âme, il y a un tableau? Non. Non, ok, c'est pas grave. Je vais chercher quelque chose ici. Voilà, j'ai un coquille là. Là, nous avons le corps humain, n'est-ce pas? Et là, c'est en anglais, mais je vais essayer de montrer cette phrase, de traduire.
Maintenant, le principe de la vie éternelle, c'est quoi? Là, vous avez le corps. Amen. Vous êtes avec moi. Là, vous avez le corps. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous écoutez avec vos oreilles. Au niveau de l'ouïe, ça, c'est la porte. N'est-ce pas? Ça, c'est la porte. C'est là où entre la parole. Quand la parole entre, la destination finale de la parole, c'est pour arriver au niveau de l'âme. Amen. Maintenant, quand ça vient ici, vous commencez maintenant à réfléchir sur ça. Et quand ça descend là, au niveau de la mémoire, là nous avons la mémoire, la conscience, le raisonnement, l'imagination et puis l'affection. Amen. Et quand ça descend là, ça descend au niveau de la conscience, vous commencez maintenant à méditer. C'est ce que nous appelons une méditation. Vous méditez sur ça et ça descend jusqu'à la mémoire. Et de là, la destination finale, il faut que cette parole puisse descendre là, au niveau de l'âme. Et quand ça descend au niveau de l'âme, c'est là que ça devient vous. Et vous voyez, vous allez remarquer, ici, il y a cinq sens. Il y a le toucher, l'odorat, le goût, et puis, comment on appelle ça ici, hein? La vue, n'est-ce pas? Et ici aussi, il y a cinq sens. Mais au niveau de l'âme, il y a pas de sens. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que la seule façon pour l'âme de connaître quelque chose, ça doit devenir la chose. C'est pourquoi on dit, celui qui est né de Dieu ne commet point de péché. Soyez parfait comme votre Père qui est au ciel est parfait. Vous devenez parfait comment? Par l'écoute de la parole. Et si vous la laissez descendre jusqu'au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est la tour de contrôle. Quand la parole descend là, ça commence à vous contrôler. C'est comme ça que Dieu a prééminence en vous. Amen. Dieu a maintenant prééminence, c'est lui maintenant qui vous contrôle. Chacun de vous, de vos mouvements sont contrôlés par Dieu. Amen. Quand vous faites descendre la parole là. Maintenant, si la parole descend et que là, au niveau de l'âme, vous êtes toujours un incrédule, et que la parole descend jusqu'à ce niveau-là, vous allez produire aussi le fruit comme le Caïphas, en fait. Vous allez être un membre d'église, un bon membre d'église qui ne manque jamais l'église, qui est toujours là. Il est toujours à temps, il n'est jamais en retard, il nettoie, il fait tout. Mais il est chrétien juste au niveau de l'esprit. Ça, c'est le christianisme. Mais la chrétienté, c'est quand ça descend au niveau de l'âme. C'est là que vous recevez la vie éternelle. Amen. Parce que les germes de vie doivent descendre jusque-là. Or, l'extérieur a sa bataille. Et toute cette bataille-là est en train d'attaquer l'âme. Ça n'attaque pas l'extérieur, ça attaque l'âme. Nous avons des batailles telles que la tentation, les épreuves, les besoins, la maladie, la peur, les inquiétudes, l'envie, l'orgueil, la haine, la malice, toutes ces choses, la popularité, le stress, les ambitions. Amen. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, n'est-ce pas? Tout ce que nous faisons ici sur la terre, ça ne profite qu'à ce corps. Amen. Vous étudiez, vous allez à l'école, vous faites tout ce que vous faites. Mais Dieu ne vous a jamais envoyé sur la terre afin que vous puissiez faire tout ce que vous êtes en train de faire. Aller à l'école, c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut abandonner l'école. Amen. C'est bien aller à l'école étudier. Ouais, il faut étudier, c'est bien. Il faut étudier. Mais Dieu ne vous a jamais envoyé sur la terre pour aller étudier, vous le savez. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne nous a jamais envoyé l'école dans ce monde pour aller étudier. Mais on doit étudier pour le bien-être. Parce que si vous étudiez, vous allez avoir un bon travail et vous allez amener des dîmes et des offrandes à l'église. Amen. Pour que l'église vive. Amen. Les églises doivent vivre et on a besoin d'argent. Mais le but principal, ce n'est pas les études. Dieu nous a envoyé dans ce monde pour accomplir ses desseins. Amen. Amen. Nous retournons à notre prédication. Vous voyez? Il dit, Jésus avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, n'est-ce pas? Il vivait pour les autres et vous restez.